comprends absolument rien au crédit universitaire, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allô, Anaïs. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de crédit universitaire. Donc, on parle pas d'argent, c'est pas crédit financier, c'est crédit universitaire. Alors si ton but est de venir étudier au Québec, tu vas forcément te rendre compte que un diplôme possède des crédits. Et c'est vrai que c'est un concept qui est complètement différent de la France. On n'a pas du tout de crédit universitaire, en tout cas on ne le voit pas au niveau étudiant, on n'a pas de crédit, on les voit pas comme ça. Mais ici ça marche vraiment par crédit, parce que c'est vrai qu'en France, quand tu vas dans une école de commerce, une école privée, généralement ton programme est fait d'avance, tu vas peut-être choisir quelques cours, mais généralement c'est des blocs qui te sont imposés, alors que ici ça ne fonctionne pas du tout comme ça. T'as ton cheminement, alors que ce soit à HEC, à l'UDM, alors l'UDM c'est encore pire, tu peux vraiment choisir absolument tous tes cours, t'as énormément de choix dans tes options de cours. Donc les crédits vont te permettre de définir quel cours tu veux prendre pour valider ton diplôme. Donc chaque diplôme a un nombre de crédits à atteindre pour obtenir le diplôme. Donc si on y va par exemple au niveau des diplômes de premier cycle, les certificats ça prend 30 crédits pour obtenir le diplôme. Un baccalauréat général, que ce soit à HEC, à Concordia, UQAM ou peu importe, c'est 90 crédits. La spécificité du BA avec la prépa à HEC, c'est qu'il y a 120 crédits, donc c'est un peu plus, mais en même temps les cours de prépa c'est pas juste des cours dans le vide, c'est des cours qui valent quelque chose. Cours de maîtrise, donc tout ce qui va être maîtrise, c'est 45 crédits. Le MBA à HEC, c'est 54 crédits. Alors là tu vas me dire, oui ok d'accord, tu nous as énuméré ça, on l'a déjà vu sur le site internet, merci beaucoup. Mais en fait je vous énumère tout ça parce que en fait pour obtenir donc le diplôme, il faut, admettons le bac, il faut 90 crédits. Et un cours c'est 3 crédits, la plupart du temps c'est 3, ça peut être des cours à 2 ou 1 crédit en fonction des cours, et le nombre de crédits va te donner aussi ton nombre de charges de travail. Donc un cours à 1 crédit, on s'entend que c'est un cours qui est beaucoup plus simple ou beaucoup plus léger en termes de charges d'études, versus un cours de 3 crédits, c'est quand même assez intense. Je sais pas s'il y a des cours avec plus que 3 crédits. Peut-être dans les autres universités, je ne sais pas. Si tu étudies actuellement dans une autre université au Québec et que ça fonctionne comme ça, dis-le moi en commentaire, je serais quand même très curieuse de savoir comment ça fonctionne. Donc pour vous la faire simple, pour faire un certificat, il vous faut 10 cours, donc 30 crédits. Pour faire un bac, il va vous falloir 30 cours pour avoir les 90 crédits. Donc 30 cours, 2-3 crédits. Et ça, ça fonctionne dans toutes les universités de cette façon-là. Le nombre de crédits du bac ne varie pas d'une université à l'autre. Donc ça, c'est comme officiel. Pour avoir un bac, c'est 90 crédits. Un certificat, 30, etc. Comme je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un format qui est très courant ici. Et donc c'est bien important, surtout parce que je sais à l'UDM, j'ai déjà regardé des programmes aussi à l'UDM. Et c'est très facile de se perdre parce qu'il y a des blocs de cours obligatoires et des blocs de cours optionnels. Donc c'est bien important, et ça c'est la responsabilité de l'étudiant, l'université. Si toi tu fais des cours qui sont pas dans ton programme, l'université te dira bah merci, t'as pris les cours, j'espère que t'as bien aimé, mais il te manque ça comme cours pour ton programme. Donc faut vraiment bien faire attention de bien regarder ton programme, de regarder tous les cheminements possibles à ton programme et de choisir les cours que tu veux, et comme ça en fait tu vas pouvoir cumuler le nombre de crédits nécessaires pour obtenir ton 90 crédits si tu veux faire un bac par exemple. Je sais qu'à UDM, il y a des blocs par thématique. Par exemple, dans le bloc, admettons, je sais pas moi, études du droit international. Mais parmi le droit international, c'est un bloc où tu auras peut-être, je sais pas moi, 10 cours qui seront disponibles là-dedans. Et dans ces 10 cours, parmi ces 10 cours-là, toi, tu dois en choisir 3 parce que c'est marqué entre parenthèses 9 crédits. Donc tu dois, pour ton diplôme, valider 9 crédits de ce bloc-là. Puis après, tu auras peut-être un autre bloc qui sera, je sais pas moi, du droit des familles. Je dis n'importe quoi, ça juste par rapport. Droit des familles, et puis là, ils te disent, admettons, il faut que tu valides, je sais pas, 12 crédits. Donc en fonction du nombre de crédits que tu as entre parenthèses, bah, il faut que tu choisisses le nombre de cours équivalents parmi le bloc. Et puis si, admettons, tu oublies un cours et que tu prends un autre cours ailleurs et qui fait pas partie du bloc, tu risques d'avoir un petit peu des problèmes pour te faire accréditer le cours dans ton diplôme. Donc juste assure-toi de bien choisir tes cours avec qui correspondent à ton diplôme par rapport au nombre de crédits. Donc voilà, en fait c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Si vous avez compris qu'un cours représente en moyenne 3 crédits et qu'il faut 10 cours pour avoir un certificat et 30 cours pour avoir un bac, bah c'est à peu près ça après l'essence du truc à savoir. Et après, une fois que t'as compris ça, bah...
t'as tout compris. À HEC, c'est vrai que c'est un peu moins compliqué de se perdre dans les choix de cours parce que c'est vraiment beaucoup plus structuré, je trouve. Hein. Après, ça, c'est juste mon opinion. Je trouve que c'est quand même pas mal plus structuré que l'UDM où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix au niveau des choix des programmes. Au niveau, par exemple, en communication, on peut faire de la communication de vraiment dans tous les domaines et c'est vraiment incroyable. Enfin, ça offre beaucoup de diversité, ça, c'est l'avantage. Par contre, il faut vraiment faire attention au niveau du choix de cours parce que si tu prends des cours qui ne sont pas dans ton programme, ça ne sera pas crédité. Ça, c'est un mot que tu vas entendre souvent, ça sera pas crédité dans ton programme. C'est-à-dire, c'est comme si t'as pris un cours pour le plaisir. Comme par exemple, moi, si je veux prendre un cours d'espagnol à HEC, bah, je peux le prendre, je vais le payer, c'est un cours de 3 crédits, mais il est pas dans mon parcours universitaire, donc il sera pas crédité comme un cours comptant pour la validation de mon diplôme. Donc c'est comme 3 crédits que j'ai fait à part, parce que j'en avais envie. Si ça me tente de prendre un cours d'histoire ou d'un cours, je sais pas moi, de cinématographie, tiens, par exemple, bah je peux le prendre, ça va coûter. Donc c'est un cours qui va coûter à peu près 3 crédits, bah je vais le payer, je vais suivre le cours, je vais passer les examens, etc. Mais ça sera pas dans mon programme. C'est des choses qui se font. Il y a aussi des statuts étudiants libres, donc par exemple, qui sont attachés à aucun programme, puis qui prennent des cours comme ça, un peu comme bon leur semble. Ça délivre pas de diplôme à la fin, mais c'est juste peut-être pour la culture personnelle. J'espère que vous aurez compris et que c'était assez clair. Si vous avez toujours des questions par rapport au crédit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout de suite en bas de la vidéo. Je voudrais faire un live avec vous sur Instagram, donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre en live direct avec vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à m'ajouter sur Instagram. Mon compte c'est Allo Anaïs, donc comme vous pouvez voir, je pense que je vais mettre quelque part ici dans la vidéo mon compte Instagram, comme ça rejoignez-moi sur cette plateforme là. Je publie des photos quasiment tous les jours avec des stories et tout, donc ça permet de garder aussi un petit contact entre les vidéos. Si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, un like, un commentaire, partage-la à tes amis, ceux qui comprennent rien à c'est quoi les crédits, et j'espère que ça sera quelque chose qui vous clarifiera à ce niveau là. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason,